Bon, je suis très content, très joyeux de l'invitation, surtout que je suis le seul Africain que vous avez invité à assister à ce grand congrès, ou disons que c'est mondial, mais je suis très joyeux de tous côtés, de toute manière, et que vous m'avez bien accueilli. J'ai eu 30 minutes de communication tout à l'heure. Et ça vous a séduit, c'est ce qui m'a donné droit à une formation au moins de 3 jours, niveau 1, de TNDR, du professeur ami à côté. Donc je suis très content. Et arrivé au Bénin, je vais faire part aussi des autorités, je vais expliquer de bout en bout de comment ça s'est passé. Et désormais, ils vont prendre en compte l'importance de naturopathie. Quand je parlais au Bénin, je vais à la radio, je vais à la télé, je parlais de naturopathie. Bon, c'est important, certaines autorités comprennent, mais sans vous mentir, aujourd'hui que moi-même j'ai vu de vrai l'aspect de naturopathie ici en Espagne, vraiment ça m'a encore séduit. Je me dois encore de travailler davantage, je me dois de porter plus haut cette activité, de développer cette activité, de multiplier encore mes centres dans toutes les villes du Bénin. Et c'est pour cela que je vous invite en tant que partenaire à nous aider, à nous accompagner. Et prochainement, comme vous promettez, nous allons tenir le congrès en octobre, un congrès aussi international et pour tous les pays, quelques pays africains, si possible, tous les pays africains y vont participer. Ça nous fera beaucoup plaisir. Et tout à l'heure, je crois, on va signer et le partenariat, le document qui va nous lier désormais pour notre collaboration, pour notre travail en commun. Donc, je suis très content d'assister au congrès de naturopathie. Ici, nous sommes dans le local de Sol Natura. Voilà. Donc c'est là où nous avons tenu le congrès. Donc je suis très content et je vous assure que toute l'Afrique, tous les Africains seront contents quand même, en particulier le Bénin. Quand je serai au Bénin, vous allez voir aussi que ça va passer dans toutes les chaînes de télévision. Vous pouvez voir ici comment nous sommes manifestés, comment la joie est animée. Bon, je peux dire que ce n'est pas casual que va vous inviter à les congrès comme mon représentant. On le fait parce qu'on connaît très bien le travail que vous faites là-bas, à votre pays. Réellement, c'est un travail très important. Et vous va développer la naturopathie d'une manière respectueuse avec les principes et les fondements de la naturopathie. Ça, c'est très important aussi. Parce que vous va comprenez dans les risques, l'importance historique que va avoir la naturopathie. La naturopathie, c'est réellement très antique. Et l'Espagne va jouer un papier historique très important. Aujourd'hui, l'Espagne va occuper la vice-présidence de l'Organisation mondiale de naturopathie, et qui est un lieu maintenant dans l'Organisation mondiale de la santé. Et ça veut dire que le travail qu'on fait, c'est important. Et c'est pour ça qu'on va organiser ce congrès international ici à Madrid. Et on va regarder les pays qui vont bien faire le travail. Et bien sûr que vous le faites comme ça. C'est pour ça que vous êtes invité. Pour nous, c'est un honneur compter avec votre présence. Et bien sûr que ça, c'est les principes d'un chemin qu'on va transiter ensemble pour faire un très bon travail dans l'Afrique et ici aussi dans l'Europe, parce que vous avez beaucoup de choses pour nous enseigner. Il faut changer les expériences, changer les outils qu'on va utiliser dans la naturopathie, dans les différents pays. Et on sait que c'est des deux parts qu'on
on va s'élever dans ce domaine. Alors, on est très content et bien sûr qu'on va à signer les documents des partenariats avec plaisir et avec les compromis de travailler ensemble et faire tout ça que humblement on a à faire là-bas, à votre pays. Pourtant, bon, je vais dire au revoir et je crois que dans un temps courte, on va se voir. Merci. Je vais signer ça. Merci, je suis très content, je suis très ému de la présence et attestation. Ce que je viens de recevoir, ça m'a fait beaucoup plaisir et je vais dédier rapidement à toute l'Afrique, en particulier le Bénin et à l'ONG Secours. Et je vais vous dire merci surtout à toute l'équipe de l'Espagne, de naturopathie et particulièrement à Monsieur Alfredo, c'est le seul qui parle français, c'est lui seul qui m'aide à circuler dans l'Espagne en général. Bon, ça me fait beaucoup plaisir. Si je ne suis pas qu'à lui, je ne peux même pas m'exprimer ici en français. Donc je le réserve aussi ce remerciement. Donc, je remercie le président de la République du Bénin. Et Monsieur Patrice Talon, même si aujourd'hui n'est pas là, au moins son pays est reconnu en Espagne, dans tout ce monde-là, en termes de naturopathie. Donc, je le remercie beaucoup. C'est grâce à lui que je suis venu ici. Et je remercie tout le gouvernement du Bénin pour m'accorder ce voyage, pour m'accompagner pour ce voyage. Je suis très ému, je suis très content d'être en Espagne avec les Espagnols dans le domaine de naturopathie. Quand vous voyez l'intérêt de ce que je dis régulièrement au Bénin, quand on parle de naturopathie, les gens n'ont pas compris. Quand je suis entré dans cette maison rapidement, je constate que ça ressemble au temps ancien. Malgré que c'est une ville développée, ils ont construit la maison, il y a les choses il y a les choses du champ, et il y a les. Si je vois ça là, par exemple, c'est comme les écorces d'un arbre qu'on a utilisé pour pouvoir badigeonner le mur. Donc, ça parle de l'ancien temps. Ça parle de comment il faut vivre dans l'ancien temps. Il faut marcher pieds nus, il faut boire de l'eau.
Il faut manger les choses simples. Faut pas trop aller dans les choses modernes. Donc, ils ont tenu compte de l'ancien temps pour construire quand même la maison de naturopathie. Donc, je suis très content et je demande à tout le monde et à tout mon pays, ceux qui pratiquent les méthodes naturelles, ceux qui traitent pas les façons naturelles, je leur encore demande de se battre davantage pour qu'on aille loin. Ici, l'équipe de naturopathie, l'association de naturopathie d'ici demande à ce que l'Afrique s'unit, en particulier le Bénin, doit avoir son association pour adhérer à l'association mondiale de naturopathie. C'est vraiment grand. Tout ce que j'ai vu ici, c'est bon. J'ai aimé et je suis très content.